Une surprise qui n'en est pas une, puisqu'entre les prévisions de croissance, celles de baisse du nombre de chômeurs et j'en passe, le gouvernement nous a habitués à un certain amateurisme. Madame la députée, je crois que nous pouvons faire preuve d'un peu de maîtrise, de calme et de sérieux sur un enjeu effectivement tout à fait important, parce qu'il ne s'agit pas d'agiter des épouvantails pour faire peur, il s'agit de regarder les choses en face. L'aide médicale d'État permet à des hommes et des femmes qui sont en situation irrégulière sur notre territoire depuis plus de 3 mois, d'accéder à des soins, souvent vitaux. Madame la députée, il y a une double exigence, solidarité et vigilance, mais c'est avec esprit de responsabilité que nous ferons face aux enjeux de l'assurance maladie et non pas en agitant des épouvantails.